Et je crois que la discussion que nous avons eue finalement cet après-midi était intéressante parce qu'elle permet de poser la question de la place de la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce qui ressort, c'est que bien évidemment, on a besoin d'une loi. On a besoin de lois, on a besoin de lois qui rappellent le cadre, qui y compris rappellent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, faire des lois sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est rappeler que les femmes sont l'égale des hommes et qu'elles ont accès aux mêmes droits. Et puis finalement, dans la discussion, ce dont on se rend compte et ce dont nous avons, sur quoi nous avons échangé, eh bien, c'est que la loi, elle ne fait pas tout. Et donc, il faut encore lui donner les moyens de s'appliquer. Il faut lui donner les moyens de la contrôler. Et puis, il y a aussi les mobilisations, les évolutions sociales, les évolutions sociétales pour lesquelles nous sommes toutes et tous des acteurs et sur lesquels on ne doit pas renoncer parce qu'on constate aussi qu'il y a aujourd'hui des reculs, des propos sexistes qui se multiplient et donc sur lesquels nous devons avoir une vigilance collective. Donc il y a bien évidemment besoin de la loi et nous avons aujourd'hui un arsenal législatif important, mais il y a aussi besoin de continuer à se mobiliser et à faire évoluer les mentalités pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit une vraie réalité demain dans notre pays.